Val d'Isère, c'est souvent une piste où on se fait peu plaisir. C'est une piste difficile, c'est une piste challenging. On n'a aucune autre piste comme ça sur le circuit. La pente, déjà. On se fait aspirer dès le début. Puis ensuite, le revêtement, qui est souvent assez glacé ici. Un combat perpétuel contre la piste, contre le tracé, contre les sensations. On a aussi pas mal de mouvements de terrain dans la pente. Et ce qui fait qu'il faut toujours être déterminé, rien lâcher, du début jusqu'à la fin. Et ça s'apparente vraiment à un combat. Vraiment un combat. Et je pense que ça va être une belle bataille. Se dire que c'est une course avec un départ, une arrivée. Entre les deux, certes, c'est raide, mais normalement, on est censé savoir le faire. J'ai moyen de jouer, je vais jouer, se balancer, aller mordre la face. On commence à connaître la face de Bellevard. On a vraiment tous hâte, je pense, de pouvoir courir devant le public français. Faut essayer de mettre les sensations de côté, serrer les dents et donner le maximum jusqu'en bas. Et c'est que quand on passe la ligne d'arrivée qu'on sait si finalement on a pu avoir un bon temps ou pas, quoi. L'objectif, ce sera voilà, de faire plaisir dans cette phase de Bellevard, même si c'est impossible de se faire plaisir. Alors la banane, ce sera sûrement possible.